Bon allez, petit essai Triumph Speed Twin, belle moto, digne concurrente de la R90. Bon, j'ai qu'une demi-heure et elle est en rodage. C'est Ah, il est là-bas le sélecteur. Bon, position de conduite. Comment dire? Je trouve qu'on est un peu haut. L'embrayage y est pas mal. Sélecteur de vitesse, il est doux. J'ai pas fermé mes trucs, moi. Non. Attends, je vais fermer ça. Frein arrière. Ouais, ils sont là. Hein. Attends. Hein. Ouais, j'ai rien fermé. J'ai pas mis ma ceinture. Clignotant ici. Wouh, putain, c'est vrai, il y a du couple. Waouh. Ah ouais. Ah ouais! Oh. Ah, c'est un 1200! Wow! Ouais, j'étais pas prêt! Clignot! Désolé si je l'ai pas mis avant. Elle a l'air de bien vouloir s'incliner dans la courbe. Putain, je caille! Voilà! Ouais, elle est maniable! Hein. Très très bonne moto. Et ce son, je sais pas si vous allez entendre. Ah, j'ai du mal les clignots. Ce son il est pas mal. Gros son. Ah, la selle elle est pas mal. Elle est étroite, plate, mais confortable. Tu t'enfonces dessus. Juste ce qu'il faut, pas trop ni trop peu. C'est en troisième, alors regarde. Rond-point troisième. C'est presque le tour. Hein. Clignot avant. Comme ça, je suis tranquille. Ok, contrôle. Ouais, c'est un gros moteur, plein de couple. Et tu te retrouves vite dans les tours, en fait. Enfin, dans les tours. Dans les tours, c'est 5000, hein. Hop. Ouais, je reste en quatrième. Alors, test du Dodan. Franchement, ça c'est un petit Dodan, ça compte pas. Je vais prendre le prochain. Autrement, place pour les jambes. Il y a de la place, réservoir assez fin, assez bas, belle trappe à essence, contour, compteur, témoin de rapport engagé, jauge à essence. Là, c'est celui-là le Dodan. Le Dodan test. Alors, je suis en troisième. Ouais, il y a de la terre, putain. Ouais, franchement, ça va. Ça, c'est pas mal hein. T'es là tranquille, tu roules pépère, t'es sur la poignée et là élastique le truc. Ah bah je suis déjà en sixième. Les rétros ils sont beaux et on voit bien dedans. Et regarde, ouais, elle se couche bien la moto. Hauteur de selle. Ça va, sauf que je sais pas, le bas moteur il est un peu large, donc t'as un peu les jambes écartées. Je vais ouvrir ça un peu.
Ah, mon clignot. Bon, je vais vous montrer un truc. Je suis en troisième. Je me mets bien gardé. 2000 tours. Wouah! Bon, si je fais gaffe. Il y a un peu de terre à la lumière. Il m'a dit d'aller pas plus haut que 4005. J'espère que j'ai pas dépassé. Bon, je crois pas, hein. Je fais attention. Regardez, hauteur. Je suis comme ça. Non, ça va en fait. C'est parce qu'elle est cale-pied. Donc de mettre un peu tes pieds en avant. Elle est mortelle la boîte de vitesse. Elle est canon. Elle se verrouille bien. Elle n'est pas aussi douce que la Honda, mais en même temps la Honda c'est abusé. Regarde, j'ai à peine accéléré, elle m'a tracté. Oh là 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 là! Ça lève! Ça lève à l'axel. Alors, ce qu'on peut retenir, moto agréable, belle moto déjà. Déjà, tu la vois, tu fais oh, premier coup d'œil, ah, c'est une belle moto, bien finie. Tu montes dessus, t'es bien, franchement. Tu la démarres, bon son, rien à refaire. Voilà. Après, premier tour de roue. Elle est agréable, mais franchement quand tu accélères, elle envoie. Genre, franchement, tu seras pas déçu. Et après, dans le niveau des virages, bon, je peux pas trop tester, mais de ce que je peux tester, franchement elle est là. Et ouais, t'as pas envie, c'est comme la BM, t'as pas envie, enfin c'est pas que t'as pas envie, c'est que même quand tu roules tranquille, tu vois, t'es bien, t'es là, tu peux mater le paysage et tout. Et dès que tu vas ressouiller, boum, ça envoie. Non, non, c'est bien, franchement. Hein. Bonne moto. Vous entendez un peu le grondement du moteur à la décélération. C'est beau gosse. Et quand t'es dessus, à part le son et la traction qu'elle te fait, on dirait pas un 1200 en fait. Tu te dis, bois, je suis sur une 750 ou quoi, toi, une moto valorisante. Mais quand tu es dessus, franchement, regarde, là, je suis tranquille. Je suis là, je regarde le paysage. Là, ça s'ouvre. Boum. Voilà. Ça tracte. Ah ouais. Ouais, donc position de conduite nickel, confortable, agile, freinage, je vais tester le freinage après, mais il a l'air pas mal. Je
crois que je suis en Brembo et trier simple par radio. Ouah, il y a du frein. Je vais faire un tour de la moto, tiens. Alors, petit ergo pour la béquille. Voilà. Speed Twin. Petit feu à LED. Ah, il est beau le feu, regardez. Putain, ça nique. Et en relief. Garde-boue en alu. Beau moteur. Complètement mat. Franchement, ça va. Pire, il est Diablo Rosso 3. Ça, c'est en alu. Alu. Oh, le feu. Il est beau, le feu. Petit feu comme ça, là. Suspension, genre, l'air confortable. Regarde. Ça s'enfonce un peu. L'avant aussi. Bon, ben, j'ai envie de vous dire ciao. Merci à la concession Triomphe Lille Seclin. Je sais pas pourquoi on dit Lille, en fait elle a Seclin, mais bon. Franchement, le mec de Triomphe, il est sympa. Donc c'est ici. Allez, ciao, à bientôt, portez-vous bien.